Puisqu'on est au Baloche, tiens, je vous suggère qu'on y reste, en tout cas qu'on fasse un petit détour pas trop loin, du côté des autotamponneuses pour retrouver la popote. D'accord ? J'ai connu la pépette aux autotamponneuses. Elle avait la 7 et moi j'avais la 12. La sienne elle était verte et la mienne était verte aussi. Elle était bonne la pépette, mais c'était son métier, elle était boniche. Je lui ai dit tu viens souvent aux autotamponneuses. Elle m'a dit qu'elle venait souvent, que ça la rendait joyeuse. Elle m'a demandé mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça? Ah ouais. Je lui ai dit mais pourquoi est-ce que tu me demandes ça? On n'est pas des voix muqueuses près des autotamponneuses. N'était pas vraiment bêcheuse, n'était pas du tout affreuse. Moi, j'avais des idées vicieuses sous mes cheveux jaunes. J'ai offert à Pépette un tour d'autotamponneuse, un seul. Elle a gardé la 7. J'ai repris la 14. Le patron, l'auto-tampon, qui était très gentil. Comme musique de fond, il nous a mis une jolie. Pendant que mon idole chantait les portes du pénitencier, les petites autos tournaient et tournaient et tournaient. Oups, trois fois. Et moi je faisais exprès de cogner dans Pépette. Paf. Même qu'un coup sans faire exprès, elle s'est foulée la tête. Aïe. On n'est pas les voix rugueuses près des autres tramponneuses. La fédère bien moins heureuse dans sa robe moche. La fédère moins amoureuse, elle m'a dit en l'air songeuse. Faut que je rentre chez ma logeuse. Quelle catastrophe. J'ai quitté la pépette près des autres au tampon. Merci les mecs. Je vais demander, mais Pépette, est-ce que c'est ton vrai nom? Elle m'a dit, ce que t'es maître, c'est mon surnom, pauvre con. Mon vrai nom, c'est Zezrette, mais ça fait un peu long. On a mangé ensemble une glace au chocolat. Elle a pris framboise, et moi j'ai rien. Je voulais une glace à la viande, oui mais y'en avait plus. Ou alors viande hachée, mais ça coule le long du cornet. On n'est pas les voix rugueuses près des autres tamponneuses. Je l'ai trouvée soudain hideuse dans sa robe trouée. Je lui ai dit, tu sais, petite pisseuse, je préfère les autres tamponneuses. Toi, t'es pas assez luxueuse, mais dis-moi à quelle heure qu'il est. La 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 la, la la la, la la, quelle heure qu'il est. La la la, la la la, la la, quelle heure qu'il est. La la la, la la la. Quelle heure est-il? T'es sourd ou quoi? Ah bon? La la la, la la la, et allons-y,
les amateurs de la vitesse, accrochez la queue de Mickey. Le numéro 122 gagne une poupée géante et un sac en plastique et trois pauvres choristes déguisés en vampires en carton. La petite Delphine attend sa maman à côté du stand des merguez. Attention, attention, le propriétaire de la voiture immatriculée 4012 QQ voiture est prié de la déplacer. Elle gêne l'autocar du Parti communiste. Attention, attention, le syndicat d'initiative vous rappelle que pour les prochaines élections présidentielles, la consigne est votez bien, votez rien. Ça va gueuler ? Et c'est encore un militaire qui gagne un filet garni avec un bazooka dedans et une fringue à rideau. Accrochez la queue du Mickey. La personne qui a perdu un portefeuille en cuir est priée de le rapporter.